Justine Lévy, merci beaucoup d'être ici avec nous merci ce soir. De m'accueillir. Et pour nous parler de votre dernier roman, peut-être pas simplement de votre dernier roman, de parler beaucoup au-delà de ça. Il s'appelle simplement Mauvaise fille, c'est un roman. Et avant de parler du roman, vous nous disiez juste avant de commencer, et les contacts aussi avec vos lecteurs, est-ce que ça a changé quand même votre façon de voir la littérature, de voir votre écriture, parce qu'il a beaucoup d'échanges aussi depuis un certain temps avec les gens qui vous lisent. Je ne sais pas si ça a changé mon rapport à la littérature, c'est un peu tôt quand même pour le dire, mais c'est vrai que la dernière fois, par exemple, je faisais pas de signature, j'avais un peu peur du contact frontal avec les lecteurs, j'avais peur de, peut-être, je ne sais pas, d'un peu d'agressivité, ou je ne sais pas. Et en fait, à la faveur du concours de lycéens, on est amené à aller dans des villes en province, et notamment dans des lycées, pour rencontrer des très jeunes gens. Et voilà, ça s'est passé très 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 bien, même si ce sont des adolescents et même s'ils ont des questions parfois plus frontales, d'ailleurs. Brutales, ouais. C'est sans animosité en général, mais ça m'a bien plu, ça. Voilà, donc finalement je rencontre les gens. Vous rencontrez les gens, mais... Et puis en plus, quand on écrit, on est tout seul. Je trouve ça pas mal, en fait, d'aller vers les autres comme ça. En plus, mon métier, c'est de lire, donc on est tout seul aussi quand on lit. En fait, je suis tout le temps toute seule, donc c'est pas mal de rencontrer des gens. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que par rapport au dernier livre, vous avez fait beaucoup moins de rencontres. Il y a en filigrane la question de la distance. Et j'ai l'impression aussi que c'est un peu le sujet de votre livre, c'est cette distance-là qui a requis l'écriture de ces livres-là, de ces romans. Je ne sais pas si c'est la distance, c'est vrai que moi je distance pense... au niveau temps, ouais. Oui, et par rapport à... cette distance-là. Ah, cette distance-là, oui. Cette distance-là, ben, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que je vis, je peux vraiment me passer d'écrire pendant longtemps. Ça ne me manque pas, ou alors si ça me manque, c'est épongé par le fait de lire tout le temps, toute la journée, ça éponge un peu l'envie d'écrire. Et puis, au bout d'un moment, c'est presque physique, ça cogne, il faut que je m'y remette, mais ça peut prendre 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Je ne me sens pas écrivain professionnel, je n'écris pas tous les matins en me levant, ce n'est pas une gymnastique. Un jour, j'en ressens le besoin et j'y vais. Mais je ne choisis pas la distance. C'est vrai que 3 livres en 15 ans, on ne peut pas penser que j'encombre les magasins des... Enfin, les librairies, mais bon, je ne saurais pas répondre à ça. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul, mais en même temps, les sujets que vous abordez dans ces romans, c'est un sujet délicat, compliqué, difficile. Et j'ai parlé de cette distance-là aussi par rapport à cette douleur que, vous savez, que Louise a vécue il y a 5 ans. Mais oui, mais on ne peut pas vraiment parler de distance, parce que là, ça parle d'un deuil. Et de toute façon, je crois qu'on ne fait jamais le deuil de sa mère. Moi, le temps aura beau passer, toute ma vie, je me demanderai quel genre de grand-mère ma mère aurait été, je penserai à elle, enfin, ça n'absorbe pas la douleur, le temps, je crois, là-dessus. Donc la distance, c'était peut-être juste, la distance dans le temps, c'était peut-être juste pour me permettre de vivre et de rassembler mes forces, ça oui, peut-être, pour écrire sans tomber dans le pathos, ça oui, peut-être, d'une certaine manière. Et pourquoi ne pas tomber dans les pathos? Parce que les pathos aussi, c'est une façon aussi de... Parfois, c'est de se reconstruire aussi, ouais, pourquoi pas? Mais comme je suis déjà très très impudique dans mes livres, si en plus je suis pathétique, vous voyez? Donc voilà, j'ai choisi d'écrire en effet avec un tout petit peu de distance sur des choses sombres et dures, mais en m'y approchant d'ailleurs du plus près que je pouvais. La mort, l'agonie, Est-ce qu'on s'y approche justement avec un style tout à fait direct à la première personne? Et c'est une façon d'être au plus près de cette réalité-là? Oui, sans doute que s'il y avait eu la distance du « il » ou du « elle », moi, j'aurais senti une épaisseur entre moi et le monde ou entre moi et mon sujet. Peut-être que ça m'a permis ça, de le tutoyer, de le taquiner de plus près, oui. C'est vrai, ce jeu. Mais le jeu J.E., c'est un jeu assez ouvert, parce que il y a quand même des petites greffes d'imaginaire dans le roman, et peut-être que... Enfin, c'est un jeu qui est moi, bien sûr, mais c'est aussi...
c'est aussi vous, c'est aussi quelqu'un qui n'existe pas. Et je me suis aussi mise dans la peau évidemment de tous les autres personnages. Je suis ma mère qui meurt, je suis ma fille qui naît, je suis le médecin qui n'arrive pas à la sauver, je suis le prêtre qui... Les toubibs avec un grand T, d'ailleurs. Les toubibs avec un grand T. Je crois qu'il faut se mettre dans la peau de tous ces personnages, même ceux qu'on déteste, pour les rendre un peu... leur donner de la chair et... Voilà. Mais c'est important ce que vous venez de dire, parce qu'il y a une question qu'on doit vous poser tous les temps, je n'ai pas envie de vous poser, je vais la poser quand même d'une façon différente, parce que c'est un roman autobiographique, évidemment c'est autobiographique, certes, mais en même temps, vous nous laissez vraiment toute l'attitude, nous, lecteurs, moi je suis lecteur comme les autres, je me trompe peut-être, de voir si c'est vrai ou pas vrai, est-ce que c'est important Non, pas tellement, je crois. Enfin, je peux le dire, tout est vrai, enfin... Tous les sentiments, toutes les émotions sont vraies. Ça, j'ai pas voulu tricher avec ça. En revanche, il y a certaines situations qui ne le sont pas tout à fait. J'ai pris quelques libertés. Par exemple, il y a une scène où l'héroïne, je dis « je », mais l'héroïne, c'est quand même une sœur jumelle, donc où je saute au cou d'un médecin pour l'étrangler. Ça, c'est quand même très légèrement fantasmé. C'est pas... Voilà, ça m'a fait énormément de bien de l'écrire. Je pense que souvent, quelquefois, on a eu tous envie de faire ça avec certains médecins. Voilà. Mais c'est, je laisse après le lecteur libre de choisir si c'est du réel ou pas. Il me semble que c'est vrai, que c'est pas, voilà, que c'est vrai au sens où j'ai tellement rêvé de le faire que il y a des accents de sincérité. Mais bon, c'est, j'ai pas forcément envie que le lecteur ait toutes les clés non plus. Voilà. Mais c'est légitime qu'il se pose la question d'ailleurs du vrai ou du faux. Mais grosso modo, tout est vrai. Et grosso modo, tout est vrai, mais en même temps, pourquoi ce retour justement à la petite enfance? Parce que ça, ce côté-là, ça m'intéressait beaucoup pour voir les rapports avec la mère qui est en train de mourir, d'agoniser. D'ailleurs, vous connaissez la première définition de l'agonie, c'est la lutte. Ah, d'accord. C'est le premier sens. Ouais, je ne savais pas. Ça me semble très pertinent comme... Quelle est votre question, excusez-moi? Oui, justement, non, c'est... Sur la lutte? Sur la lutte aussi, parce que j'ai l'impression que c'est une lutte aussi pour sa fille, pour retrouver aussi la mère qui n'avait pas eu, en fait, quelque part. Oui, peut-être, mais ça m'obligerait à commenter mon propre texte, et c'est vrai que ça, c'est difficile de commenter son propre texte, ça, je trouve ça compliqué. Mais c'est vrai que... Il y a dans ce roman, il y a la vie qui se défend contre la mort qui vient. Ça, c'est vraiment... bon, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, c'est une femme qui... On ne va pas tout raconter, mais on va donner quelques brimes. C'est très simple. C'est une femme, une mère, qui meurt pendant que sa fille est enceinte de son premier enfant. Et c'est cette concordance des temps que j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter ce qui se passait dans la tête d'une femme quand tout fout le camp. J'ai essayé de me mettre dans la tête de cette femme-là et dans la tête d'une autre femme fertile qui a la vie qui pousse dans son ventre. Et là, voilà, j'ai envie de raconter ça. Je ne sais plus du tout de quoi on parlait. On va parler de ça, de cette lutte, de cette fille aussi qui retourne à sa petite enfance, aussi à travers la mère qui n'a pas eu, en fait. Et j'ai l'impression que c'est la peur de cette femme qui est enceinte de ne pas être à la hauteur plus tard aussi, quelque part. Ben oui, parce que c'est compliqué de transmettre ce qu'on n'a pas reçu ou ce qu'on a reçu bizarrement. C'est pas... Et puis c'est vrai que je pensais que la maternité, c'était une aventure merveilleuse et glorieuse et un enchantement. Et c'est vrai que c'est ça, mais pas seulement. Voilà, il y a aussi une part très sombre que souvent on occulte ou que dans les livres, en tout cas, que j'ai lus dans les manuels... dans les modes d'emploi, en fait. C'est vrai que vous avez lu tous ces livres-là que vous écrivez là, des scènes, des livres... Mais on n'en parle pas tellement de cette part un peu mortifère qu'il y a dans le fait de donner un enfant. Moi, dans mon cas, c'était très concret, puisque ma mère était en train de mourir au moment où je donnais la vie. Mais pour ma deuxième grossesse, par exemple, j'ai senti quand même quelque chose d'obscur et de plus compliqué que le... J'étais pas seulement une porteuse de vie, quoi. Voilà, ça... J'avais envie aussi de parler de ça. Ça ne va pas de soi. On n'est pas juste mère parce qu'on donne vie à un enfant. C'est aussi quelque chose qui se construit, qui ne va pas sans ambivalence, sans deuil, sans... Voilà, il y a une part très sombre que j'ai voulu un peu raconter. Alors, c'est un point de vue. C'est pas... J'ai pas du tout voulu en faire une thèse ou une généralité. C'est un point de vue. Mais ça m'a manqué, ça. Sans... Et dans les livres que j'ai... Dans les manuels que j'ai lus. Et en même temps, l'histoire des manuels, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans les livres, on va raconter un peu quelques détails.
la découverte aussi à travers un répertoire de la vie de sa mère. Et c'était tout à fait touchant, ça, de voir des bribes, les gens qu'il a pu rencontrer, les personnes qu'il a vues, et l'autre vie de cette mère. Ouais. C'est... Ben, la vie, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas un roman sur ma mère. Moi, c'était un roman sur mon lien à ma mère, sur ce que je connais d'elle, sur ma mère en tant que mère, et pas tellement en tant que femme. Il y a tous les gens qui vous entourent aussi, pas simplement votre mère. Parce qu'il y a tous les gens qui m'entourent qui voulaient bien être dans le roman. J'ai pas, voilà, j'ai... Il y a toujours Louise, au moins, je sais. Voilà, qui entoure Louise. Mais c'est pas un roman sur elle. Un jour, peut-être, j'écrirai un roman sur elle. Là, c'est pas le cas. C'est un roman sur mes rapports avec elle. Mais c'est vrai que quand il y a cette scène du répertoire, où je me demande à quel point quelqu'un est dilué dans ces petits objets qui font son quotidien. Est-ce qu'on est la somme de tous nos meubles, de tous nos livres, de tous nos cahiers, nos bibelots, etc. Est-ce qu'on est la somme de tout ça? Est-ce qu'on peut reconstituer le puzzle d'une vie à travers des objets épars comme ça? Je pose la question parce que finalement, j'apporte aucune réponse. Moi, j'aime bien les questions. Je ne suis pas ni une philosophe. Mais j'aime bien les questions et je n'ai pas la réponse. Mais ça m'a beaucoup touchée d'entrer dans le répertoire. Je suis sûre que c'est on saurait énormément de vous si on trouvait votre répertoire dans la rue, mais sans doute on n'aurait pas la globalité, la totalité de votre être, mais on dirait des pistes, ouais.